Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette petite vidéo revue dans laquelle je vais vous montrer le résultat du sac à diamanter que j'avais reçu du site One Day Saving. Rappelez-vous, c'était un flamant rose qu'il fallait diamanter avec différents diamants, des strass, des AB, des diamants spéciaux. Donc voilà, une petite vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Je l'ai diamanté hier après-midi, enfin hier midi, et voilà. Voilà le joli flamant rose, comme il rend. Alors, j'ai adoré, franchement, j'ai mis un petit peu plus de 2 heures peut-être pour le faire. Donc, je vous montre. Là, on a des AB, on a des strass. Alors là, ça fait... Vas-y, refais le focus, please. Les argentés, ça fait comme des clous, vous savez, en métal qu'on trouve sur certaines ceintures et tout ça. Ça fait super joli. Voilà. Je vais vous montrer aussi les différents diamants spéciaux. Ceux-là, les verts, là, en œil de chat, ont été hyper agréables à poser. Donc là, on a les verts en AB. Les petites boules roses. Franchement, il a été super agréable. Ces strass-là aussi en yeux de chat, ceux-là ont été super. Un petit peu plus compliqués, ceux qui étaient fins. Voilà, donc je vous montre un petit peu de plus près ce que ça donne. Voilà, ceux-là aussi, les violets, là, ont été hyper agréables à poser. Très facile. J'ai utilisé le crayon de cire. D'ailleurs, j'ai oublié de le sortir. Donc, j'ai utilisé ceci pour le diamanter. Ça a été agréable à faire. Ça prend bien les diamants. Il ne m'a pas fallu le tailler plus que ça. Par contre, j'ai constaté qu'il prenait un petit peu moins facilement les diamants spéciaux. Voilà, c'est peut-être un petit peu plus lourd. Donc par moment, ben, j'y allais soit avec la pince, soit je prenais un autre crayon de cire. Vous savez, le blanc là que j'ai, parce que la mine est un petit peu plus épaisse. Voilà. Mais sinon, tout s'est bien passé. Au niveau des diamants, ce qu'il me reste, ben, écoutez, j'ai de tout. Voilà. Donc on va faire un focus sur les diamants que j'ai. Et vous voyez. Il y a largement de quoi faire. Voilà. Ils ont été vraiment au top. Alors là, celui-là, c'est impressionnant le nombre que l'on m'a mis, alors que j'en avais besoin de 6. Donc, ils sont généreux, hein. Ils ont été généreux sur ça. Voilà. Donc, franchement, je suis super contente du rendu. Je sais pas si je vais l'en coller ou si je le laisse comme ça, j'en sais rien. Je vais voir. Ça a l'air de bien tenir. Donc, je sais pas. L'autre sac que j'avais fait, je ne l'ai pas encollé. Et pour l'instant, ben, les diamants tiennent bien. Donc, je pense qu'il restera comme ça. Et puis, ce sera plutôt advienne que pourra. Voilà. J'ai pas envie. De me prendre la tête avec l'encollage. Ça me donnera l'occasion éventuellement d'en refaire si jamais ben, je perds des diamants. C'est pas un souci. Voilà. Je vais vous mettre le lien de ce produit. Je vous mettrai aussi le lien du site One Day Saving. Je vous remets aussi le code promotionnel de 5% que j'ai chez eux, si jamais vous voulez en profiter et vous faire plaisir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que le rendu de ce sac vous plaît. Moi, franchement, je suis pas spécialement adepte des flamants roses, mais j'avoue que là, je me suis régalée à poser les diamants sur ce sac et je trouve que le rendu est vraiment top. Voilà, tout est très joli au niveau de ce sac, donc. Maintenant, je vais pouvoir m'en servir pour ranger ben, des petits projets. Voilà, ce ne sera pas forcément pour faire des courses, le mettre dans mon sac. Celui-là, il restera à la maison, je pense. Et voilà.
Donc, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de mettre des petits pouces et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!